ton job, c'est d'accord, mais moi non, hein, moi j'ai toujours mon travail ici, je peux pas tout laisser comme ça et partir. Hein. Mais va au Népal, va au Népal, tu feras la manucure au lama, tu seras content. Et puis, un lama, ça crache loin, un lama, hein, tu seras bien comme ça. C'est ça que t'aimes, c'est que ça crache loin, hein. Ouais. Et ça fait que tu me dis, ça fait que tu me dis que tu m'aimes et que t'as des sentiments pour moi et maintenant. Et toi, comment tu me larges? Tu me larges comme ça? Thomas. Sonia, méfie-toi, je ne me méfie de rien, Marie, j'ai rien à craindre de toi. Je viens simplement te dire, voilà, je sors avec François. Tu sors avec François, de François. T'es amoureuse de François. Oui, je suis amoureuse de François. Mais petite pute, pour qui tu te... Ouais, je te jure, t'es une grosse chienne. Ça suffit! On a fait nos 400 coups ensemble et t'es fière de venir annoncer ça là? T'es fière de toi? Grosse chienne, va t'en cul d'unité! Eh ben demande-lui quand même, hein! Demandez quoi? Hein, entre Demandez quoi, mais t'as vu, qui elle aime le plus? Demande-lui! Ça va? Qu'est-ce que tu veux? D'où tu la connais? Monsieur lui fait l'amour! Elle t'es même pas capable de faire l'amour! Ça va, du con, va! D'où tu la connais? Espèce de connard, qu'est-ce que tu sais, va? Du con, va. Allez, Annick Taras, de toute façon. T'as la chance. D'où tu la connais? D'où tu la connais? Moi, je te connais pas. D'où tu la connais? D'où tu la connais? Moi, je te tue, va. T'approches pas, je te tue. Rentre chez toi, va. Casse-toi, va. Tu vas me casser mon cou avec ma femme, va. Allez, reste tranquille. T'as la chance qu'ils sont là, t'as la chance. Je t'aurais tué ici, ça va? Prends ses rêves pour des réalités, voilà ce qu'il y a. Et comment est-ce que je peux en être sûr, moi? Comment tu peux en être sûr? Je suis marié. J'ai deux enfants. Quoi? Je suis marié, ben oui, je suis marié. Et alors? On peut pas être amis parce que je suis mariée, c'est ça? Non, tous les jours, quand je t'apporte ton café, tu n'es jamais pour me repousser. T'es tout le temps ma petite Tiffany. Ah ben alors, c'est bon, le bon café. Tu savais très bien que j'étais amoureuse de toi. Tu le savais, ah non, je ne me cachais pas. J'ai jamais vu. Ah non, non. T'es un menteur. Non. On s'est disputé avec Anouk à cause de toi, justement. Pourquoi? Quand tu t'es mis avec elle, parce que je savais bien que t'étais une sale pute. Parce que tu n'aimes pas les femmes, tu n'aimes pas l'idée que ta sœur ne soit pas... J'aime bien les femmes. J'aime peut-être plus les femmes que ce que tu penses. Bah alors pourquoi est-ce que t'as allé chez ta sœur comme ça, je peux savoir? Parce que je savais déjà bien que t'étais bi, j'essaye de lui faire entendre raison. Oui, bien sûr. Ah ouais? Ose dire que tu ne couches pas avec des mecs. Non, ose dire que si. Non, mais je suis avec ta sœur depuis 2 ans. Et quoi? Je l'aime, ta sœur. Je t'ai fait suivre, tu couches. Non, tu m'as fait suivre. Oui, tu couches avec des hommes mariés. De quel droit tu m'as fait suivre? Je t'ai fait suivre. De quel droit? De mon droit. De quel droit tu m'as fait suivre? De mon droit. Tu n'as aucun droit de me faire suivre, espèce de sale pute, va. Mais qu'est-ce que ça a à voir? J'ai couché, je suis bonne, je suis ici, je suis là. Quoi? Mais oui. Mais attends, tu t'as couché avec lui? Mais Michel, écoute. Non, ne touche pas. Tu vas m'écouter quand je te parle. T'as couché avec lui, t'as couché avec tous les autres alors mais aussi. Mais tu t'es encore occupé de voir le lait de ta mère pendant que je couchais avec lui. T'as 21 ans, pardon. Tu me déçois, tu... T'as 21 ans sur ta tête et tu vas aller me dire... Tu sais même toi, pas... Toi, t'as couché avec elle. Et toi, tu te prends... Tu dois pousser les gens moi, comme ça. Moi, je vais dire la vérité. Moi, je l'aide pour tu couches ventre. Avec tout le monde. Moi, je le lance avec quelque chose de bien dans moi, la vie. Moi, si je lance, garde ce que je lance. Et toi, tu sais... Toi, me touche pas, me touche plus. Mais pourquoi? Me touche plus. Dégage, je vais pas courir avec toi. Attention, c'est fini. Dégage, mais tu vas me parler. C'est fini. Ça va aller, ouais. Monsieur va se mettre derrière une vitre sans teint, prend des photos. N'écoutez pas ce qu'elle raconte. Il recrute. Et donc quand tu es allé, c'était salant. Vous êtes un connard. Donc vous avez demandé de ramasser cette boîte de romans. Ne vous tapez pas. Mais vous êtes un connard. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Ce sont des calomnies. On n'a pas le droit de parler de ça. C'est quoi ça, cette histoire? Vous n'avez aucune preuve. C'est très bien. Et ne me touchez pas. Vous n'avez aucun droit de faire ça, vous comprenez? Vous n'avez pas le droit. Je suis désolée, je suis malade, je ne peux pas faire ça. Donc je vais demander de ramasser cette boîte de trombone pour essayer de me filmer après. Mais vous abusez là, vous abusez. Tu m'énerves. Alors toi, je peux te dire. Tu sais très bien que c'est vrai, tu sais très bien. Non mais vous avez vu comment elles sont fringuées.
Je l'ai je fait, mais ce qui est dégueulasse, c'est que maintenant, il essaye de te prendre cet argent. Mais je te l'ai rendu. Ça vient de moi. Je veux dire que tu t'aimes. Oui, je t'ai et alors je t'aime, moi. Oui, et bien moi, je peux partir avec ce titre. Oh, il t'a remboursé, là, ou quoi? Je l'ai remboursé bien plus que ce que je ne devais. C'est dégueulasse. Tu veux voler mon fils, en plus. Je ne vois pas en quoi je le vole. C'est ton argent, pas le sien. Mais t'es vraiment un salaud, toi. Mais non. T'es un manipulateur, c'est pas possible. Mais en quoi j'ai manipulé? Écoute, tu me baises, moi, moi je t'aime, moi. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous savez... C'est mon homme, bordel! Calme-toi! Toujours obligé de si foutre la merde si, partout! Si t'avais réussi... Si t'enlèves-toi à moi! T'as toujours été jalouse de moi, de toute façon! Toujours vouloir tout savoir! Si t'avais réussi, notre couple ne serait pas arrivé là, ça va? On ne serait pas arrivé là! Vous êtes des enfoirés tous les deux, franchement, mais parlez-vous ensemble! Elle m'a donné ce que tu m'as jamais donné! Elle m'a donné tout ce que tu n'as jamais donné! Ça va? Tout ça! Stan, bonsoir. Stan, vous avez 27 ans, vous êtes agent en marketing. C'est qui? C'est Stan. Attendez, on va vous expliquer qui est Stan. Ouais, mais je préfère l'entendre de elle, quoi. Bon, bah alors débrouillez-vous. Mais écoute, c'est Stan, je l'ai rencontré au dernier camp médiéval où on a été. Parce que bon, on a commencé à discuter, voilà. Et lui, au moins, il me fera pas jouer dans un... Fayard! Mais c'est quoi cette journée ?